Alléluia.
Toute langue
C'est lui qui est Dieu, le vrai Dieu glorieux. Bientôt, on va les voir. Il dit bientôt, il dit, vous m'avez vu. Il dit, pourquoi vous, les disciples, les apôtres, vous êtes comme un bribri qui n'est pas le berger. Le Jésus-Christ que vous avez vu là, qui a parti devant vous, c'est la même façon aussi, on va les voir. Tous tes yeux, il va les voir. Tu crois ou tu ne crois pas. Cet jour, tu vas savoir quelle catégorie, quelle classe, quel département que tu es. Alléluia. Amen. That day, you will know that Jesus Christ you are using to play. That Jesus Christ you are using to mock. You are mocking his people. You are dealing with his people. You are beating his people. You make his people to cry. You suffer them. You bring out law. You block everything. You take everything away from them. That Jesus, you will know that he's a glorious God. Just a few times.
time. He said to the people, he said, wait you for a little season. Just for a little season. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur, dans l'Apocalypse 6, il dit, attendez-vous pour un moment, un petit saison. Un petit saison, il va voir que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Alléluia. Il est cette prince glorieuse. Et donc, elle est Jésus-Christ. On va prendre cet hymne pour fortifier nous-mêmes. We are going to take this hymn to fortify ourselves. We are going to take this hymn to worship him again. To remember all he has done for us in the cross of Calvary. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, King of Glory. Thank you, Omnipotent God. Oh,
De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je
Can you hear the man just speaking? He now said, we will rest in perfect peace over there. Rappelle maintenant que il y a un endroit que toi-même, on va reposer dans la paix. Alléluia. C'est pour cela que là-bas, ce n'est pas encore Israël qu'il nous a promis. Israël qu'il nous a promis dans le livre de Jérémie 30. Il dit quand je vais vous amener dans cet endroit, vous allez reposer dans la paix. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas Djibouti, il n'y a pas Palestine, il n'y a pas la Ligue des Arabes, il n'y a pas Iran, il n'y a pas Irak. Il n'y a pas Libanon, il n'y a pas Syrien, il n'y a pas aux États-Unis, il n'y a pas. Il n'y a pas boum 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 tout le temps, misaille, boum boum, non. Restera dans la paix. Donc il faut toujours mettre ça dans la tête. Toutes choses qu'on a fait dépasser. Parce que le roi de la terre, la bête sauvage, il va nous frapper. Alléluia. So thus we need to be in peace because that wicked beast, according to reference to chapter 6, they will deal with us. Daniel 12, 7 and 8 said, to the extent that he said it, the power of the saint will be shattered. Daniel 12 said, which is it, just that le saint, l'infusant sera dispersé, il va revenir faible. Apocalypse aussi, frère aussi nous a dit, il va recevoir la puissance pour aller faire quoi? Vainqueur de saint. Jésus-Christ aussi, il a dit aussi, si je n'ai pas intervenu, personne, même mes enfants, les élus, il va tous faire le niveau de repentance. Mais il dit, rappelle cette maison que je suis parti pour préparer. Chaque fois quand tu rappelles de cette maison, tu ne peux pas faire. Alléluia. On va prier. Laisse-nous prier. Demandez au Seigneur. Essaie peut-être chemin de Dieu. Mais tu m'as dit que tu es aussi. Tu es dans ce chemin avec moi. Donne-moi la force. Nous sommes dans le temps que, je vais vous dire, regarde le temps que nous sommes. On a dû rentrer, Le temps, ça va arriver le temps que c'est toi seul. Tu ne vas pas voir Pasteur Sylvestre. C'est pas Pasteur Sylvestre aussi, il est aussi tout seul. Mais peut-être on va arracher aussi le téléphone. On ne veut pas voir le téléphone pour communiquer. Et comment ça passe chez toi là-bas? J'ai entendu une femme dans le YouTube, il a dit, maintenant ça qu'il a dit, apprendre tous ses enfants que soyez-vous fortifiés. Si, parce qu'elle dit, il a déjà laissé le travail. Ils sont des gens de l'hôpital aussi. Il a déjà laissé. Donc il a déjà, parce qu'on lui a dit obligatoire, il a déjà laissé. Donc il n'y a rien, maintenant il dit ça. C'est son mari qui fait un petit travail qu'il fait, qui amène là-dedans. Donc ils sont en train de préparer. Ça qui reste les enfants menacés, que. S'ils sont venus, prends votre maman et vous ne me voyez pas. Continuez-vous dans le Seigneur. Pourquoi vous baissez le bras? Restez-vous ferme dans le Seigneur. Amen. Si c'est vous aussi, ils sont venus ramasser dans ma main. Pour ne pas vous oublier Dieu, pour ne pas accepter ça qu'ils sont dit. Il faut mourir dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui ont voulu tuer dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la persécution. Si tu refuses, si tu acceptes ça qu'ils ont dit et tu as laissé des suisses, tant pis pour toi, tu vas trouver toi-même en enfer. C'est la témoignage de cette femme dans le YouTube. That's the testimony of that woman in the YouTube. She said, it's busy now teaching his children, teaching them that if they come and carry me and go, you people should not cry because I can never give up. I have already left my job because of their. They said I should take the vaccine by force. And I have left my job. We are not managing what your father, whatever your father, if they stop him also,
we'll be doing whatever, we're managing anyhow. But what I will tell you people, my children, if they take me, don't cry, remain strong. If they take you also wherever you go, don't, what they take you to, don't leave Jesus. If you deny Jesus and accept what they say, you are going to hell fire. Donc on va prier demander le Seigneur. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est avec nous. Il ne veut pas nous laisser. Tout ce qui lui suit, tout ce qui marche avec lui, il va nous donner la force pour vaincre. Rappelle qu'il aussi, il a déjà préparé aussi le désert, là qu'il va nous amener. Comme tout ça, ça va passer comme le jour des enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Quand il va nous amener cet endroit, il va nous nourrir là-bas. Parce que pendant les 40 ans, imagine, les gens n'avaient pas changé les chaussures. Les enfants, quand ils sont en train de grandir, les chaussures aussi sont en train de grandir dans leurs pieds. Imagine ça. Dieu que nous, on le savait. Il n'est pas jamais parti à madame aller chercher les habits. Quand tu es en train de grandir, les habits aussi en train de grandir avec toi. Imagine. On n'est pas attendu qu'ils soient partis laver l'âge. Toujours, Seigneur, il offre ça pour eux. C'est une sorte de miracle qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas quoi faire pour coiffer les cheveux. Pendant des 40 ans, le Seigneur, il croit, il fait ça. Le Seigneur, toi aujourd'hui, laisse ton cheveu, ne crois pas si je laisse pour moi là pour un an. Les gens ne veulent pas me reconnaître. Mais 40 ans, le Seigneur, il arrache ça lui-même. Alléluia. Et Dieu, et vous savez qu'on savent Dieu puissant. Dieu. Rasta même, il va fatiguer parce qu'il va. Même celui qui a le rasta là, même il va commencer à avoir mal à la tête. Parce que 40 ans. C'est trop lourd. 40 ans. Tu vas revenir animal. Mets ton zong, tout. Qui coupe ça? C'est le Seigneur aussi qui coupe ça. Hein? C'est le Seigneur aussi qui coupe ça. Pour laver le don. Il n'y a pas de passe pour laver le don. Mais le Seigneur aussi, il lave le don. Vous imaginez les choses. Dieu que nous, on sait que les gens du monde, du roi de la terre, Satan voulait essayer. Que les gens aussi en train de chercher comment aller sommer. Tu dis que tu es un enfant de pasteur, tu es en train d'aller sommer pour Satan. Mais ton génie, c'est la loi de la terre, c'est la loi de l'État. On doit obéir. Dieu nous a dit d'obéir la loi de. Va lire ta Bible bien. La dernière chose, je vous ai montré, non? Un chronique, 21. Et Dieu, c'est Dieu qui a mis David pour être le président d'Israël. Mais il a fait la loi que Benjamin et Lévi et Benjamin, ils ont dit jamais, cette loi, jamais. On ne prend pas le vaccin. Et tout Israël doit prendre les vaccins. Le dé tribunal a dit, nous, avec nos enfants, on ne prend pas. Fais ça que tu voulais faire. Quelle loi que tu as de l'obéir, des gens qui ne connaissent pas la Bible. Regardez, le roi qui dirige le monde en ce temps, le très puissant, le plus puissant, le roi de la terre, il a fait la loi. Et il y a aussi les enfants de Dieu. Qui aujourd'hui, là aussi, la même chose qu'on va passer. The same thing that happened in the day of Nebuchadnezzar. The king, the man that ruled the world. That have the authority. More than all this king and all this you see today. He make also a law. There is Christians, that is the Christian that God is looking for this time around. And that's how the Christians that have entered the kingdom of God. C'est genre de chrétien que le Seigneur est en train de chercher maintenant. Et c'est ce genre de chrétien qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Shedak, Meshak, Abednego. Pourquoi il n'est pas dit, c'est la loi de l'État, c'est la loi de l'État. Dieu nous a dit, nous chrétiens, on doit obéir la loi de l'État. Pourquoi il n'est pas dit ça?
Ils sont refusés. Jamais. Présidente, tu fais toute la loi que tu as fait de faire dans la vie de Dieu. Mais ça là, c'est contre notre Dieu. C'est contre la loi de notre Dieu. Jamais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire. Tu fais tout ça que tu vas faire. C'est la loi que tu as déjà fait. Tu vas nous mettre en prison. Toi, moi, non. Tu vas nous, on va payer combien d'argent. On va faire ça, on va faire ça. Tu vas retirer tout. Fais tout. C'est ça que tu voulais faire. Fais tout. Si Jésus-Christ, si il vient me sauver, il n'y a pas de problème. S'il ne vient pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça que j'ai dit. Si là, tout ça là, c'est déjà écrit dans la Bible. Je ne obéis pas. Alléluia. Oui. Appelle-nous terroriste. Appelle-moi terroriste. Appelle-moi. Tu n'es pas la tête. Qu'est-ce qu'on appelle terroriste même? Tu vois, tu me forces de faire les choses qui ne doit pas faire. Je ne sais pas que c'est toi qui es terroriste. Terroriste, car quelqu'un est terroriste. De tuer qui? De faire quoi? C'est toi qui as de me forcer de faire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. La parole de Dieu. Il ne fait pas les gens mal. Il y a quelqu'un qui a demandé un policier aux États-Unis en train de faire l'évangile. La police, il a venu là-bas en train de les chasser. La personne a demandé à la police que tu es en train de troubler et tu voulais nous chasser. Tu ne sais pas que ça que tu as en train de faire là, c'est ça que nous aussi on est en train de faire. Il dit, tu es en train d'évangéliser. Tu as entendu dans ma voix, j'ai dit. Répentez-vous. Celui qui vole, répentez. Celui qui vend la drogue, répentez. Celui qui fait ça, répentez. Celui qui fait ça, répentez. Toi, tu es dans cette tenue. Tu as été chassé qui est qui dans la rue. Les gens qui font la drogue, les gens qui vendent la drogue, les gens qui volent, les gens qui font des choses qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'on fait la même chose. Si les gens ils peuvent obéir notre Dieu et acceptent et tout le monde vive. Donc, tout ça qu'on a dit de prêcher là, toi-même, tu n'es pas le travail à faire. Tu n'es pas le travail à faire. La vie va être calme. Respecte partout. La loi, derrière, tout le monde. Seulement obéir la Bible, c'est tout. Tout, on ne peut pas voir tout ça. La police dit, c'est vrai. Il dit, mais bon, voilà pourquoi tu as dit de me chasser. Why are you now pursuing me? The work you are doing is what I am preaching, I am doing. If everybody should stop stealing, stop doing wrong, selling drugs, stop cheating one another, love one another, follow one another, serve God, will there be police in the city? Good job. Eh? Will there be police? Even if there is police, you will just be enjoying in your office. Il a dit, même si, on ne veut pas voir la police, on l'a vu. Même si il y a la police, vous passez le monde, c'est dans votre bureau, attendez, bois et restez là-bas parce qu'il n'y a pas de crime. La police est là, ils sont regardés, il a appelé les autres, on va partir. Il vous dit, c'est dans le YouTube, ils sont. La police dit qu'il y a des man, après les man told you, ils just call others, let's go. They just left, they just leave them. Ils sont, on a l'air de laisser, vous continuez votre évangile. Très simple. On n'est pas contre vous. Mais vous êtes contre nous. Ça c'est quoi? La repentance, ce n'est pas obligatoire. Vous ne nous avez pas vu là qu'on a pris quelqu'un de lui frapper, repenter. Non! Si on a dit de faire ça, c'est ça que vous pouvez venir contre nous. Mais on a dit de prêcher. Il a dit, vous avez dit de faire la bruit. Il dit, ce n'est pas la bruit. On a dit, moi-même, moi, quand j'ai dit de crier, ça me fait mal dans ma voix. Mais vous criez pour les gens pour attendre. Parce que vous aussi, si vous n'êtes pas. Des fois, vous allez de poursuivre les gens, c'est aussi. Ça vous fait aussi. Ça vous fatigue aussi. C'est que les gens vous comprennent que les gens. C'est pas ça. C'est le même travail qu'on a fait de faire, monsieur police. Que Dieu nous aide, non, Jésus-Christ. Les gens comprennent ça que Dieu, Jésus-Christ, il a bien fait. Accepte la loi de Dieu. Tout en doit. Être calme. Il y a la paix. Mais parce qu'on a refusé la loi de Dieu, il y a la guerre, il y a la vol, il y a le criminel, il y a tout partout. Vous laissez la loi de Dieu, vous mettez la loi de l'homme. Ça ne peut pas marcher.
Immédiatement, l'homme il charge ce qui est divin. Et il met ce qui est naturel, ce qui est physique, artificiel. Les gens ne veulent pas respecter l'artificiel. Mais ce qui est divin. Ce qui est divin. Quand les gens commettent des péchés, ils meurent. Ils reçoivent la frappe immédiatement. Si c'était comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde, on ne veut pas voir les criminels et tout. Et la femme là avec son mari qui a vendu leur terrain, ils sont allés dans l'église, c'est menti. Ananias a fait ça. Si Dieu il a continué très chaud comme ça, parce qu'il fait ça aussi, mais s'il fait ça physique, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde il ne veut pas faire des bêtises. Tout le monde va, il y a les autres, mais quand il prend les salariés, il va mettre ça sous l'hôtel. C'est dans l'hôtel, il va prendre ça, il va prendre et laisser les autres pour le Seigneur est parti. Mais parce que le Seigneur, il a calmé. Mais les gens ne savent pas, que ça calme, c'est ça? Ça calme. Son calme. Ça calme, c'est danger pour nous. Et frappe. Son silence, c'est très dangereux. Parce qu'il frappe. Les gens prennent le temps de la grâce là, n'importe comment. Ils ne savent pas que le temps de la grâce là, c'est ce qui est très, très dangereux. Alléluia. Le temps là qui est très, très dangereux. Et donne aide à Jésus-Christ. On va prier. Demandez le Seigneur. Dis le Seigneur. Je sais que c'est Dieu. Je sais. Et toi-même, tu sais. Mais aide-moi. Aide-moi. Viens de me prier. Ça a été venu. Il a été venu. Ils ont la prophétie pour l'année prochaine, c'est même plus plus que cette année. C'est l'année prochaine que vous allez voir. Là, tout le plan de l'ordre mondial, l'année sera. Non, ne pensez pas que. Députez les gens qui ont dit que. Dieu, pitié, je n'ai pas encore marié, je vais marier. Dieu disait que je n'ai pas rien. J'ai encore jeune, je n'ai rien encore fait. Je n'ai encore fait. Donne-moi un peu de temps. Députez, de la pitié. C'est fini. Il est que c'est fini. Quand Dieu, depuis que vous dites c'est fini. Il va lancer encore un autre virus. Qu'est-ce qu'il va faire le plan maintenant? Pour faire les gens. Il y a variant, il tue immédiatement. Va prendre le vaccin. La dixième dose. Va. Il va même augmenter. Bientôt, il va augmenter. Va. Tout ce qui n'est pas prêt à ça ne bouge pas. Il va même mettre un c'est pas seulement la police qui va contrôler les gens. Un digital. Là où que tu n'es pas prêt à ça, ça va venir te trouver là-bas. Ça va cliquer, kim, tu vas revenir. Danger dans la société, dans la société. Tu vas commencer de cliquer. Tu vas devenir un diable qui marche au milieu de Satan. Diable qui marche au milieu de Satan. Que Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Priez, demandez le Seigneur, aide-moi. Fortifiez-moi. Aide-moi. Aide mes enfants. Aide-nous. Bien-aimé, il n'y a qu'un père qui va sauver. Toi qui aimes le monde, tu ne peux pas échapper à cette situation. Tu vois qui veut les vacances, tu veux aller les vacances, tu veux les choses. Et Jésus-Christ, il a dit, rappelez-vous la femme de Lot. Il a perdu sa salut à cause de l'affaire, le bon chose qui passe à Sodome et Gomorrah. Le bon chose, le bon vie, ambiance qui est dans ce pays, dans cette vie, Sodome et Gomorrah. Il a perdu sa salut. Qu'est-ce que tu aimes trop dans le monde là? Qu'est-ce que tu mets toujours devant toi plus que Jésus-Christ? Il est très danger dans ta vie. Ça que tu ne veux pas laisser. Tu aimes ça trop. Il a revenu idole sur ta vie. C'est ça qui va t'arracher 7 jours. C'est ça qui va t'arracher. C'est cela que les gens, Dieu t'a dit. Laissez le mamie Wata dans la tête. Dis-moi maintenant. Quand la persécution va commencer,
C'est quand tu vas regarder, ah, comment je vais laisser avec. Je vais là déjà faire un mois. Je vais aller changer ça. Je vais changer ça. Et même le peinture qui te met dans la bouche, même le. Ah non, comment je vais rester avec elle? Non, je ne peux pas continuer. Non. Et c'est moi maintenant qui est revenu comme ça. Non, je ne peux pas continuer. Non. Ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quel Jésus? Ça, c'est quelle souffrance? On n'est pas sauf Dieu de souffrance. Notre Dieu n'est pas Dieu de souffrance. Il n'y a pas Dieu de souffrance. Quelle souffrance qu'il y a de souffrance? Non. Ça, c'est satanique. Tout se donne de Matthieu 24. Les gens même vont commencer de blasphème Dieu. Que Dieu me délivre en Jésus-Christ. Seigneur, pitié de moi. Pitié de nous. Aide-nous. Que notre vie soit affirmée avec toi. Amen. Seigneur, aide-nous pour oublier les choses du monde. Oublier les choses du monde. Concentrer, mets ton cœur et dans ta maison, dans le royaume de Dieu. Regardez seulement là-bas. Parce que un jour, rappelle qu'il a dit, le cheval, bon, quand on va faire le même message, je dis. Mais ça, il y a un cheval, je pense que c'est le troisième saut. Il va enlever la paix. La paix en train de partir maintenant dans le monde. Même pas de ton seal. That horse is to remove peace. Say, take away peace on the earth. Peace of the on the earth is going away. They are taking it away. It's going. War and battle is what is going to fall. La guerre, la problème partout, c'est ça qu'on va voir. C'est la paix que les gens pensent qu'ils sont nécessaires la paix. C'est la vaccine qui va te donner la paix. On va prendre la vaccine. Et donc, aide-nous, Jésus-Christ. Que Dieu soit fortifié, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Fortifiez-nous. Protège-nous. Continue avec nous. Que ton nom règne dans notre vie. Seigneur, aide-nous. Qu'à la fin de cet voyage que nous tous se trouvons dans ton royaume, dans cette maison que tu as arrangée pour nous, dans ce pays, pays de la paix, que tu as déjà préparé pour tes enfants, Seigneur, aide-nous pour entrer dans cet pays. Seigneur, que rien ne doit pas nous arracher dans ta main. N'importe comment ils voulaient faire et peut nous attaquer pour nous rendre faibles, pour disperser la puissance de le Saint, les élus, Seigneur, que tous leurs plans soient frustrés. Seigneur, aide-nous, fortifiez-nous. Nous sommes le temps de fortification. Auction pour la dernière minute. Auction que tu as donné à tous tes apôtres pour retenir, pour rester ferme. Même le temps qu'ils sont en train de couper leurs têtes. Même le temps qu'ils sont, on les tous met dans la prison. Parce qu'il nous a dit, on va nous mettre dans la prison. C'est la loi qu'ils sont en train de faire. Si on refuse la vaccine, on nous met dans la prison. Pourquoi toi, Oumel, ne peux pas réfléchir que ça, c'est quel genre de la santé qu'ils sont en train de programmer, que celui qui n'est pas prêt à la vaccine va aller à la prison. Ça fait dire qu'il y a quelque chose qui est caché très, très profondeur dans cette vaccine. C'est le premier vaccin qui va sortir dans le monde là. On a beaucoup de vaccins. Vaccins de choléra. Vaccins de polio. Vaccins de tout. On ne nous a pas dit, même quand Ebola est sorti en Afrique, il y avait la vaccine qui sont fait aussi, que les gens sont pris, que ça a été arrêté. Et pourquoi maintenant, ça que vous avez introduit, que vous avez dit que c'est partout le monde, c'est la maladie qui est sortie partout le monde, obligatoire, si tu n'es pas prêt à ça, tu vas mourir. Bien-aimé, va réfléchir et penser bien de ta vie. Il y a quelque chose qui est caché dedans. Que Dieu soit glorifié. Dieu prend contrôle de plonger notre vie dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu nous garde. Que Dieu continue avec nous. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Amen. Amen. Thank you.